بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme vous le savez, la dernière fois, j'ai montré une vidéo sur ma chaîne d'une personne qui a voulu tout simplement ouvrir la porte de la Kaaba, ce qu'il n'a pu faire et il a été directement maîtrisé par la sécurité de la mosquée du Haram, d'accord, la mosquée sainte, la mosquée sacrée. Et vous avez donc ici une personne, je ne sais pas pour quelle raison, a voulu donc ajouter un liquide. Il s'avère que c'est sûrement soit du benzine ou de l'essence ou quelque chose comme ça pour brûler donc la Kaaba. En tout cas, ce qui est marqué dans le titre, donc c'est quelqu'un qui a essayé de brûler la Kaaba. Ne pas confondre avec une autre vidéo que je vais vous montrer d'une personne qui, elle, a voulu se mettre le feu devant la Kaaba parce qu'il a eu des problèmes. Donc on en parlera juste après. On va regarder d'abord cette vidéo décryptage, comme d'habitude. Bismillah. هذا الشخص خسر فلوسه بس عشان يسافر مكة لكنه خسر فلوسه عشان ما يروح يحج أو يعتمر علشان يروح يحرق أو يعتدي على الكعبة الشخص هذا كان يبغى يعتدي على الكعبة لكن donc cette personne n'a pas gaspillé de l'argent pour aller faire son pèlerinage ou la Umra ainsi de suite mais il s'est déplacé pour brûler la كعبة الناس اللي حوله مسكوه برضو الأمن ما خلوه يمسك ولا شبر واحد من الكعبة Donc ce que j'ai compris, c'est juste qu'il a dit, vous savez pas ce qu'ils m'ont fait cela, ainsi de suite. Donc je sais pas si c'était une personne qui a voulu se mettre le feu, parce qu'il y en a un qui a voulu se mettre le feu sur lui-même. Donc je pense que c'est quelqu'un d'autre. Donc je vais vous montrer l'autre vidéo. Bismillah. Donc là, ils l'ont attrapé. Il me l'a dit, Admo, ils vont l'exécuter. Comme il est habillé, je pense que c'est Allah Alam. Je pense que c'est la même personne. Donc la personne là qu'ils attrapent, elle porte pas la même tenue que l'autre. Dans l'autre vidéo, la personne porte un camis blanc. Et là, la personne elle porte un camis crème. Donc c'est pas la même personne. Et donc cette vidéo-là, c'est une personne qui a voulu se mettre le feu parce qu'il a un problème d'héritage. Apparemment, sa famille lui ont pris son héritage, ses oncles, ainsi de suite. Des histoires banales comme il y en arrive, comme ça se passe souvent dans certains pays. Donc là, on a eu marre, il n'a pas su comment réagir et il a voulu se mettre le feu devant tout le monde pour attirer l'attention et non pas donc brûler la Kaaba, mais il s'est fait quand même, il a été arrêté. Donc malheureusement, voilà, il y a des gens, des fois, qui sont tabous, mais ce n'est pas une raison pour aller se foutre le feu devant la Kaaba, d'accord? Mais Allah Azza wa Jal protège, dans tous les cas, protège sa maison, ça protège la Kaaba. Donc je vous remercie pour cette courte vidéo. Si ça vous a plu comme d'habitude, donc un commentaire, n'hésitez pas à réagir, un j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent encore, Inch'Allah Ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute.